C'est la guerre qui nous a fait venir en Guinée ici. Mmh. Moi, je suis née au Libéria, j'ai grandi là-bas un peu. J'ai dit, il faut que j'aime les autres enfants aussi qui souffrent. Mmh. Il ne faut pas qu'ils vont être comme moi. D'abord, parce que nous sommes en location, on a besoin de payer de la maison. Chaque fois qu'il y a l'État, qu'on ne paye pas, et puis souvent, les propriétaires de la maison nous menacent de nous faire quitter. Donc, vous devez combien de retard? On la doit maintenant 3 mois. Depuis l'année, le début de l'année, là, ça fait 3 mois. Ça veut dire qu'on n'est pas payé en décembre? Oui. On n'est pas payé en janvier? Oui. On n'est pas payé en février? Oui. D'accord. Donc, ça fait 3 mois. Et la maison coûte combien? La maison coûte 2,5 millions par mois. 2 millions 500? Oui. Par mois, en voisinant. 260 euros. Oh. Voilà, c'est 260 euros. Oui, c'est 2 millions par mois on paye ici. Maintenant, on a besoin des matelas. On a besoin de la nourriture qu'on ne peut pas envoyer comme ça pour nous. Et plus souvent, c'est qui nous fatigue de voir, même si il y a le lit, de voir le dépense de la maison, ça nous fatigue parce que chaque jour, il faut partir au marché. Donc, même si tu as le lit, si tu n'as pas l'argent pour aller au marché, des fois, ça me dérange beaucoup. Et en tant que les enfants, des fois, il faut que les enfants soient bien nourris, de partir à l'école avec la nourriture à mer, et ça aussi, le petit déjeuner. Et moi, maintenant, qui est là, je fais le commerce de à quelqu'un importé. Mmh. C'est dans ça que je nourris les enfants. Et des fois, si on n'a pas eu de marché, des fois, c'est difficile qu'on mange ici. Okay. Et c'est à travers de ce que j'ai traversé dans mon enfance, c'est ça qui a fait que j'ai eu l'idée d'aider les enfants. Et je ne veux pas qu'aucun enfant devienne comme moi. Mmh. Sauf comme moi, la manière que j'ai souffert à mon enfance. Mais...